question du bien-être animal une nouvelle fois sur la table avec cette décision, écoutez bien, décision attendue du Conseil de Paris sur une éventuelle interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Bonjour Vincent Justin. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Vous êtes le monsieur loyal et le directeur de la communication de Claudia Zavatta. Vous craignez ce matin de ne plus pouvoir vous produire à Paris parce que si l'interdiction est votée, ce sera en vigueur dès l'an prochain. Alors déjà, on va rectifier les choses tout de suite. Aucune interdiction par une mairie ne peut être faite. C'est illégal. Tous les arrêtés ou toutes les interdictions qui ont été faits par des vœux et des arrêtés officiels dans des conseils municipaux ont été retoqués par le tribunal administratif. Donc déjà, tout ça, c'est des effets d'annonce pour les municipales qui vont arriver. Nous, on n'a pas de crainte par rapport à ça parce que à chaque fois, la mairie est déboutée. Alors, c'est vrai qu'il y a un vœu, c'est vrai qu'il y a un débat qui est fait au conseil municipal et c'est bien qu'il y ait lieu. Mais les interdictions pures par des municipalités sont interdites. En attendant, deux tiers des Français se prononcent dans des études contre les animaux sauvages dans les cirques. Vous bottez en touche en disant que vous avez la loi avec vous. Non, pas deux tiers des Français. Deux tiers des gens qui répondent à un sondage sur des réseaux sociaux avec des gens, des véganes et des antispécistes qui sont 24 heures sur 24 sur des réseaux sociaux à voter et survoter. Et ces votes sont tronqués. Il y a quand même une sensibilité particulière aujourd'hui sur le bien-être animal, reconnaissez-le. Vous êtes prêt à l'entendre ? Bien sûr. Le problème, c'est qu'on est tout à fait prêt à l'entendre et on est tout à fait prêt à montrer comment ça se passe vraiment dans les cirques et au quotidien. Le problème, c'est que les élus ne viennent pas voir. Il y a encore 3, 4, 5, 10 ans, ces mêmes élus venaient se faire prendre en photo dans les chapiteaux avec le public, avec les invités, avec des personnalités. Et puis maintenant, le courant écologiste, vegan et antispéciste a fait qu'ils ont une telle pression sur ces élus que pour eux, c'est plus facile de les entendre et de répondre au harcèlement quotidien. Ces municipalités sont harcelées toute l'année et toute la journée pour pouvoir émettre ses vœux et pour pouvoir avoir une représentativité au conseil municipal. Merci Vincent Justin.